Harry de Mellan, c'est qui ça? Ben, disons que c'est un des plus grands faussaires de l'histoire. Il est surtout connu comme un imposteur qui a prétendu être le prince Guillaume de Prusse, en plus d'avoir réussi à rouler commerçants et élites locales qui lui ont payé des repas et des nuitées d'hôtel. Cool, hein? Cet enfant soldat orphelin, forcé de quitter son pays natal pour errer dans les rues des grandes villes allemandes, a ensuite côtoyé les grands intellectuels du 20e siècle et s'est battu durant la guerre civile espagnole. Communiste, anti-stalinien et homosexuel, il a dû fuir l'Allemagne nazie pour sauver sa vie. La vie d'Harry de Mellan est fascinante, mais elle nous permet aussi de jeter un autre regard sur les grands bouleversements du 20e siècle. Les deux guerres mondiales, la montée du nazisme ou encore la guerre civile espagnole, pour ne prendre que ces exemples-là. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la vie folle d'Harry de Mellan. Enfin là, je pense que c'est son nom. Faut dire qu'il en a beaucoup changé. Harry de Mellan naît en 1905 en Courlande, une région de l'actuelle Lettonie. Ce petit territoire fait alors partie de l'Empire russe. La majorité de la population parle letton, mais c'est une petite élite germanophone qui possède les terres. La famille de Mellan est germanophone, mais elle est aussi bourgeoise. Il reçoit une éducation primaire, mais perd son père très jeune. La Première Guerre mondiale le sépare de sa mère. Il se retrouve dans un orphelinat à Riga. Là-bas, un pasteur lui donne des cours d'histoire et lui prête de nombreux livres. La Lettonie devient indépendante en novembre 1918, mais la Russie bolchevique envoie son armée vers ce territoire afin de l'annexer. Des volontaires allemands et des germanophones des pays baltes forment alors ce qu'on appelle des corps francs. Ils veulent lutter contre l'armée rouge, mais ils rêvent aussi de créer un nouvel État en Lettonie qui serait dominé par les germanophones. Un peu avant d'avoir 15 ans, de Mellan rejoint un corps franc. Les volontaires repoussent l'armée rouge et prennent Riga. Ils commettent ensuite des exactions sur les populations lettonnes. Les corps francs doivent se retirer vers l'Allemagne à l'été 1919. De Mellan est forcé de quitter son pays natal. Il se retrouve ainsi sans nationalité. Sa mère périt peu avant son départ. Il est maintenant orphelin dans un pays qu'il ne connaît pas. L'Allemagne est alors battue et ruiné. Le pays ne sait que faire de ses volontaires. Le régiment de Mellan est envoyé un peu partout en Allemagne. Le gouvernement décide d'intégrer finalement les soldats volontaires à l'armée régulière. Mais un nouveau malheur s'abat sur Mellan. Il est trop jeune pour rejoindre l'armée. Il se retrouve ensuite à la rue et fait de petits travaux souvent très pénibles pour survivre. À Berlin, il travaille sur un canal au pic et à la pelle. Seule joie sur le chantier, la bière. Sans celle-ci, de Mellan nous raconte qu'il n'aurait jamais pu accomplir un tel travail. Il mène ensuite une vie d'errance, dormant dans des gares. Il travaille à Erfurt dans une briqueterie, puis dans une usine de sucre. En sillonnant le pays, il croise des aristocrates déchus dans les rues. Ces derniers ont perdu leurs titres et leurs privilèges avec la fin de la monarchie en 1918. Certains sont complètement ruinés. De Mellan se lie avec plusieurs d'entre eux. Il imite bientôt leur style et leur manière. L'éducation bourgeoise qu'il a eue ainsi que la formation militaire l'aident à se faire passer pour un noble. À Heidelberg, en 1926, il se présente en tant que prince Lieven de Lettonie, lieutenant dans le 4e régiment de cavalerie de Potsdam. C'est un succès. Il retourne ensuite dans le centre de l'Allemagne en se présentant sous le nom de Baron Korff à Erfurt. Les Korff sont une famille importante de cette région et qui a en plus pour de Mellan une branche en Lettonie. Le directeur de l'hôtel Erfurter Hof est enchanté de la présence du baron, en fait du faux baron, mais ça, il ne sait pas encore. Il l'invite à manger et lui offre le séjour dans l'hôtel. Le directeur l'invite ensuite à signer le livre d'or. De Mellan y voit le nom de personnalités assez importantes, dont le chancelier allemand, une sorte de premier ministre allemand, là, et surpris, de Mellan ne comprend pas pourquoi il a droit à autant d'honneurs. Son hôte lui révèle qu'il sait qu'il voyage sous un nom d'emprunt et que sa vraie identité est celle de Guillaume de Prusse. Bon, OK, là, mais c'est qui Guillaume de Prusse?
En fait, il s'agit du petit-fils de l'empereur déchu Guillaume II. Les deux hommes, Guillaume de Prusse et Domela, comme vous pouvez le voir, ont une certaine ressemblance physique. Celle-ci est suffisante pour convaincre les notables et commerçants locaux qu'il est bien le prince Guillaume, et ça lui ouvre plusieurs portes. Voyager avec un nom d'emprunt était une pratique courante pour la noblesse. Ça permettait de ne pas trop attirer l'attention. L'empereur Joseph II d'Autriche a, par exemple, voyagé à Versailles en 1777 sous le nom de comte de Falkenstein. Mais revenons à Domela. Le mot circule rapidement dans la région d'Erfurt. Des commerçants lui offrent de la nourriture. Les gens veulent qu'il s'assoie à leur table, qu'il boive un verre de vin avec eux. Il participe à de nombreux banquets et va à la chasse aux lièvres avec des gens de l'élite locale. Mais Domela est astucieux. Si on lui demande s'il est Guillaume de Prusse, il ne confirme jamais, mais il n'infirme pas non plus de quoi ajouter à l'intérêt. Mais surtout, il ne demande jamais à recevoir de l'argent et essaie jamais de se faire offrir des choses. Par exemple, à Weimar, il va avec un boulanger dans un restaurant. Le repas est accompagné de beaucoup de champagne. Le boulanger lui offre de tout payer, mais le faux prince propose plutôt de payer au moins le champagne. Le boulanger refuse, disant qu'il allait vivre avec le souvenir de cette heureuse soirée toute sa vie. Après Erfurt et Weimar, il se livre au même manège à Gotha et à Eisenacht. Victime de son succès, Domela commence à sentir la soupe chaude. La presse s'intéresse à lui. La police est à ses trousses. Un matin, il s'éclipse dans un train pour Koblenz. Il s'engage dans la Légion étrangère et monte dans un train pour la France. C'est dans ce train que la police l'identifie. Il est arrêté et emprisonné à Cologne. Domela est emprisonné 6 mois en attendant son procès. Mais n'ayant pas volé d'argent, il est acquitté. Il écrit un livre derrière les barreaux, « Un faux prince, la vie et les aventures de Harry Domela », écrite par lui-même. Il est publié en 1927 et est vendu à 122 000 copies. Il est traduit en 7 langues, dont le français. Il récolte 250 000 marques avec ce livre. Un film est bientôt tiré de son histoire, Le faux prince. Domela y joue même son propre rôle. L'année suivante, il joue encore son propre rôle dans une pièce de théâtre à Leipzig. Il acquiert une certaine célébrité dans le monde littéraire où plusieurs reconnaissent la valeur de son ouvrage. C'est le cas notamment de l'écrivain Thomas Mann. Domela profite de sa célébrité et de sa fortune. Il gaspille rapidement son argent, notamment avec l'achat d'un cinéma à Berlin. Il devient porte-parole du Secours Rouge, sorte de Croix-Rouge liée au Parti communiste. Il milite aussi au sein du Parti communiste. Il utilise son passé d'imposteur pour ridiculiser l'ancienne famille régnante et la crédulité des royalistes qui lui ont donné des honneurs et des biens. Homosexuel, Domela a aussi bénéficié du climat de tolérance relatif dans le Berlin de la fin des années 20. Il a fréquenté l'Institut de sexologie de Berlin, fondé par Magnus Hirschfeld. Ce dernier a d'ailleurs lutté pour la décriminalisation de l'homosexualité. Communiste et homosexuel, Domela voit la montée d'Hitler et du parti nazi d'un très mauvais œil et part pour les Pays-Bas en 1933. Aux Pays-Bas, Domela se retrouve à nouveau sans ressources. Entré avec un faux passeport, il ne possède pas de permis de travail ni de visa. Il fait la connaissance de Jeff Last, un écrivain. Le livre de Domela fait grande impression sur Last. Ils deviennent rapidement amis et peut-être amants. Par l'intermédiaire de Last, Domela rencontre des intellectuels de l'époque, tels André Gide et André Malraux. Last va d'ailleurs raconter la vie de son ami dans un de ses livres, « Les doigts de la main gauche ». En 1936, Last et Domela décident de partir se battre en Espagne pour combattre le fascisme de Franco. Last et Domela rejoignent le 5e régiment de l'armée de l'Espagne républicaine. Devant la défaite qui se présente, Last repart aux Pays-Bas. Le faux prince reste jusqu'à la fin, puis traverse la frontière française en 1939. Interné comme plusieurs vétérans d'Espagne, André Gide intervient et lui permet de se rendre au Luxembourg. De là, il se réfugie en Belgique. Il y reste jusqu'à ce que l'Allemagne envahisse le pays en mai 1940. Il quitte alors la Belgique et se cache dans le sud de la France. Domela décide ensuite de quitter le vieux continent. Il obtient en 1942 un visa pour le Mexique. Malheur pour lui, il est dénoncé par un agent britannique dans le premier port où son bateau s'arrête, c'est-à-dire la Jamaïque. Il est ensuite enfermé sur ce territoire jusqu'à la fin de la guerre.
Avec une fausse identité, il s'installe ensuite brièvement à Cuba où il subit un grave accident de voiture. Il s'en remet et passe au Venezuela et travaille dans une usine de Coca-Cola. De 1954 jusqu'aux années 60, il enseigne l'histoire de l'art dans un collège à Maracaibo. Une écrivaine allemande le rencontre en 1961. Et c'est pas fini. Dans les années 60, Domela est accusé d'être un nazi vivant sous une fausse identité. Grâce à l'aide de Jeff Last, il réussit à prouver son identité véritable. Il est libéré. On découvre cependant par la même occasion qu'il s'était inventé une formation en histoire de l'art. Il perd donc son emploi. Ben oui, un faussaire demeure toujours un faussaire. Il enchaîne ensuite les petits emplois et meurt pauvre le 4 octobre 1979. Harry Domela, malgré son parcours incroyable, reste largement oublié. Cependant, depuis une dizaine d'années, des historiens allemands ont commencé à s'intéresser à lui, mais bien des parties de sa vie demeurent encore peu connues. Il est difficile de le ranger dans une case particulière, parce que s'il a abusé de la crédulité des gens, c'était aussi un homme confronté au grand bouleversement du 20e siècle qui voulait avant tout survivre. Mais rassurez-vous ou ne soyez pas rassurés, de tels faussaires existent encore de nos jours et continuent d'intéresser le public. De 2013 à 2017, Anna Sorokin s'est fait passer pour une riche héritière. Elle a utilisé toutes sortes de prétextes pour que des gens financent son train de vie luxueux. Nuitées dans les grands hôtels, vêtements griffés et participation à des fêtes exclusives. Elle a volé plus de 275 000 $. Rien de moins. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Simon Dagenais qui a rédigé cette vidéo. Si ça vous a plu, ben dites-le nous. Vous avez un petit bouton abonnement et vous avez un petit bouton, adhérer juste à côté. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous allez voir, il y a plein de possibilités. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine.